Bonjour, je suis Jean-Emmanuel Terrier, je travaille au département recherche et documentation du musée de l'air et de l'espace. Nous sommes ici dans la salle des 8 colonnes de l'aérogare historique de Georges Labro, qui accueille le musée de l'air depuis les années 80. Mais initialement, nous ne sommes pas au musée, nous sommes dans l'aéroport du Bourget, dans l'aérogare de l'aéroport du Bourget. Et derrière nous se trouve une pendule, une horloge, qui date de 1937. En réalité, elle ne date pas tout à fait de 1937. Ce bâtiment date de 1937, on doit donc à Georges Labro. Initialement, l'aéroport du Bourget donc, ouvre en 1914 pour des fins militaires, puis en 1919 pour l'aviation commerciale, voilà, c'est l'ancêtre d'Orly et de Roissy. Ce bâtiment, lui, est décidé en 1933. En 1935, il y a donc un concours d'architecture, et celui qui gagne ce concours, c'est donc Georges Labro, qui à l'époque est architecte pour les PTT, voilà, les postes et télécommunications. Et donc c'est lui qui est retenu pour cette aérogare. Et en 1935, donc, il gagne. 1936-37, les plans. Et sur les plans, notamment qu'on trouve aux Archives nationales, on voit donc au milieu de cette aérogare, au niveau de la salle des 8 colonnes, on trouve donc cette horloge qui est derrière nous. Horloge donc qui est même accompagnée de fresques. Et en 1937, on voit même, ça, c'est les archives d'aéroport de Paris, on retrouve donc une esquisse avec l'horloge telle qu'elle est envisagée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'horloge qui est derrière nous n'est pas exactement la même que celle qui est sur le plan. Sur le plan, on voit qu'il y a des villes comme Moscou ou New York, mais non, ni New York et Moscou n'y sont pas. Voilà, ce n'est pas sur la version définitive de l'horloge. Et il y a une fresque. Cette fresque, on la doit à Lucien Martial, qui est un peintre, à ne pas confondre avec Armand Martial, qui, après la Seconde Guerre mondiale, mais seulement après, va réaliser les trois statues qui sont devant l'entrée principale de l'aérogare. Ces trois statues, donc les doigts à Armand Martial, le frère de Lucien Martial. Donc, en 1937, voici à quoi ressemble l'aérogare et surtout la salle des 8 colonnes, avec donc l'horloge, la fresque de Lucien Martial et juste en dessous, l'accueil, comme aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, on accueille des passagers pour prendre l'avion, on n'accueille pas des visiteurs pour le musée. Et puis, malheureusement, en 1939, c'est la guerre, et là, le bâtiment est bombardé, d'abord par les Allemands, puis ensuite par les Alliés. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se pose la question de que faire de ce bâtiment qui est très, très endommagé. Et finalement, il est décidé de le reconstruire, de garder sa vocation aéronautique commerciale. Et donc, Georges Labro est rappelé, l'architecte, il est rappelé pour remettre en état ce bâtiment. Lucien Martial, qui a fait la fresque avant la guerre, il revient pour refaire la fresque. Donc, le site est quasi identique, on va dire, avant et après la guerre. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, se pose une question. Il se trouve que nous avons une horloge à l'intérieur du bâtiment. Et quand on arrive au musée, on se rend compte que sur le bâtiment, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas d'horloge. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est demandé à Georges Labro, lorsqu'il est en train de remanier le bâtiment, on lui soumet, donc l'administration lui soumet la question d'une horloge. Et lui ne veut pas de rajouter d'horloge sur le bâtiment. Et il suggère de mettre des horloges en extérieur, sur des mâts, un peu comme des réverbères. Donc ça, c'est un plan que l'on trouve aux archives d'aéroport de Paris. Et on voit le projet de Georges Labro d'une pendule extérieure, horloge extérieure, sur un mât, et on voit des petits globes lumineux, donc juste au-dessus de l'horloge. Donc un projet qui ne s'est pas fait. C'est intéressant de parler de ce qui existe, de ce qui a existé, peut-être ce qui n'existe plus. Mais là, on voit aussi une horloge qui était dans les projets de Georges Labro. Peut-être qu'un jour, on pourrait, pourquoi pas, réaliser ce que Georges Labro avait imaginé. Et donc, ça ne s'est pas fait. Voici une vue dans les années 50, vers 1956, on voit la salle des 8 colonnes. Alors l'accueil n'est plus l'accueil, on voit désormais à l'époque que c'est le bureau de poste justement, hein, qui est sous l'horloge. Voilà, donc nous avons l'horloge, nous avons la fresque de Lucien Martial. Mais, tout ça va changer. Parce que dans les années 60, l'aéroport du Bourget se modernise. Il se trouve que Orly a été ouvert après la Seconde Guerre mondiale, progressivement. Qu'en 1961, il y a Orly Sud qui ouvre. Et il y a une volonté d'aéroport de Paris d'avoir un aéroport au Bourget un peu plus moderne et comparable en termes de qualité de service à ce qu'est Orly. Donc on passe à une phase de modernisation, sauf que le trafic aérien augmente considérablement, d'où la nécessité de passer un petit peu à autre chose. Dans les années 60, le trafic augmente énormément, trafic aérien sur Orly et sur le Bourget. Et voici une petite image, quelques mois avant les grands travaux de modernisation avec le chat de l'aérogare du Bourget en juin 1961. Voilà, donc on est encore dans la version années 50 de l'aéroport, de l'aérogare. Et puis, vient la modernisation de l'aéroport du Bourget. Et là,
l'horloge et la fresque disparaissent. L'image que vous voyez ici date de 1963 à peu près, et on voit que l'horloge de 1937, reconstruite après la guerre, n'est plus. On voit une horloge beaucoup plus fonctionnelle, qui est beaucoup plus dans l'esprit années 60, qu'on retrouve sur l'aéroport d'Orly. Modernisation encore, le trafic continue à croître, et sous l'horloge est rajoutée progressivement une régie vidéo pour notamment l'hôtesse qui fait les annonces au sein de l'aéroport. Et on note sur cette image, donc nous sommes vraiment dans la salle des 8 colonnes, hein, là c'est pas forcément évident à voir, mais on note le guichet d'une compagnie régionale, Air Rouergue, qui assurait les liaisons Paris-Le Bourget-Béziers jusqu'en 1977. Et on note ici, voilà, sous l'horloge en fait, l'hôtesse d'aéroport de Paris qui fait les annonces. Voilà, donc on voit le tableau des départs qui est vraiment au milieu de la salle des 8 colonnes. Et on voit bien déjà qu'à cette époque-là, donc la belle horloge des années 30 n'est plus. L'aéroport du Bourget connaît un trafic commercial, type Orly-Roissy, jusqu'en 1977 pour l'activité internationale et 1981 pour l'activité régionale. Depuis, c'est une activité d'aviation d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que Georges Labrault avait l'idée de faire une pendule en extérieur. Eh bien, il y a quand même une pendule en extérieur. Voici une image de 1977 qui montre donc le parking. Voilà, le parking de l'aéroport du Bourget. Et on voit donc une pendule assez sommaire, voilà, donc à l'entrée du parking, juste devant la salle des 8 colonnes finalement, qui s'est arrêtée sur midi. Voilà, donc peut-être qu'il était midi, je ne sais pas. En tout cas, il y a une pendule donc devant l'aérogare. Hein. Georges Labrault finalement n'avait pas réalisé jusqu'au bout ce projet. En tout cas, dans les années 60-70, finalement, ça a été rajouté. Et donc, on voit bien que notre horloge des années 30 n'est plus là. Dans les années 80, le musée récupère l'aérogare dans laquelle nous nous trouvons. Donc en 1981, l'activité commerciale s'arrête. Aéroport de Paris donc, cède d'une certaine manière les clés au musée de l'air, qui deviendra ensuite le musée de l'air et de l'espace. Et à ce moment-là, donc, il y a une disparition en fait, de l'esthétique intérieure, de l'aménagement intérieur de l'aéroport. Et on voit d'ailleurs cette image qui montre très clairement que l'horloge n'est plus, ni celle de 1937, ni celle des années 60. On ne voit plus non plus la régie qui avait été installée pour le personnel qui faisait les annonces dans l'aéroport. Cette photo date de 2011, c'est juste avant la restauration de la salle des 8 colonnes, qui a retrouvé depuis son prestige des années 30. Mais on voit bien qu'à cette époque-là, il n'y a plus du tout trace de l'horloge, ni celle des années 30, ni celle des années 60. Et il a été décidé finalement, lors de la réhabilitation de ce site, de remettre en place l'horloge de 1937. Alors évidemment, l'horloge est là. En revanche, la fresque de Lucien Martial n'est plus là, Lucien Marcel n'étant plus de ce monde. Mais en tout cas, on a tout fait pour remettre en valeur l'horloge d'origine. C'est la société Mamias qui avait fait une étude pour la remettre en place. Et il y a eu un mécénat de la société Bell & Ross. Donc depuis quelques années, voilà, nous avons à nouveau la belle horloge de 1937, même s'il n'y a plus la fresque de Lucien Martial. En tout cas, le bâtiment a retrouvé son prestige des années 30, même si effectivement, ce n'est pas une horloge de 1937 en réalité.